Le prophète Joël Crasso, le maréchal Abrigan, tout ceci, à notre état-major, le ministère de la compassion des âmes, sur le cabinet de toute délivrance. Je reviens d'un voyage. Maman Naomi est là, c'est elle. Je savais que les gens l'appelaient depuis l'Allemagne et tout ça pour commander les bouteilles et tout ça. Voilà, elle est là justement pour réorganiser certaines choses. Donc, avec elle, par la grâce de Dieu, avec sa présence ici, on aura l'occasion de relancer. Sœur, le cœur n'a pas encore prié parce qu'il y a des gens qui ont encore des bouteilles là-bas. Pour lesquels on n'a pas encore prié, elle est là avec moi. On aura l'occasion de relancer ça parce que c'est vraiment important pour nous. Il y avait vraiment un problème de temps, d'organisation. C'est vraiment mon niveau, pas à elle son niveau, c'est à mon niveau. Elle est là pour que tout soit réorganisé par la grâce de Dieu et ça sera fait. Pendant son séjour ici, on aura l'occasion de réorganiser certaines choses. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent depuis l'Europe. Et tout ça, merci. Merci pour Diamant aussi qui fait un travail d'étude de fond sur le terrain. Merci pour tout le monde d'ailleurs. Merci aussi pour ceux qui nous combattent parce que nous ont donné la possibilité de nous consacrer davantage dans la présence de Dieu. Je ne vais pas vous donner raison. C'est vrai que Jésus est Seigneur, c'est la chose la plus sûre, les Seigneurs. Et nous, le combat continue. Nous n'avons pas peur des menaces. Merci pour le Brésil. Aujourd'hui, mon affaire pour le Brésil. Merci aussi pour les États-Unis. Merci pour le pasteur Michel qui est là, qui sera là cette semaine pour nous exhorter un peu. Je ne parlerai plus. Cette histoire, vous donnez date, temps, temps, je disparais, je m'arrête à faire mes programmes, je rentre en Côte d'Ivoire tranquille. Voilà, c'est comme ça que je vais faire maintenant, ça serait maintenant ma nouvelle stratégie. Je vous aime très bien, merci pour ceux qui m'ont donné aussi des conseils, merci pour ceux qui m'ont fortifié. J'aime bien aussi Asmouf, Sylvestre, j'ai pris pour lui aussi. Je n'ai pas de haine contre lui, j'ai pris, malgré ses menaces, il ne m'effraie pas, il ne me fait pas peur, mais j'ai pris parce qu'il faut que son âme soit sauvée, il a besoin de Jésus-Christ lui-même. Pour que son âme soit sauvée, parce que ce qu'il a fait, on ne fait pas ça au royaume de Dieu. Voilà. Il faut que son âme soit sauvée, qu'il se donne véritablement à Jésus-Christ. Voilà. Parce que le chemin qu'il a emprunté, c'est un chemin d'enfer. Il continue dans ce chemin, il ira en enfer. Moi, ce n'est pas mon souhait qu'il périsse. Bien qu'il me combatte, mais moi, ce n'est pas mon souhait de le voir périr. Il faut que Jésus sauve son âme. Shalom, que Dieu bénisse.